tous. J'espère que vous allez bien pour ce Forexpresso. Les marchés hier qui ont relancé, les investisseurs en tout cas, la hausse du dollar. Ça fait suite à un chiffre sur l'activité aux États-Unis qui était plus fort qu'attendu et qui a donc surpris à la hausse et a provoqué une hausse des taux d'intérêt. Donc, par ricochet, une hausse du dollar, puisque la hausse des taux d'intérêt renforce l'attractivité du billet vert. Donc, le billet vert s'est relancé. Est-ce que la tendance de moyen terme reprend? C'est ce qu'on va voir tout de suite en graphique. Après, donc, une correction de plusieurs jours. Avant ça, l'avertissement sur les risques, bien entendu. Voilà, donc je commence par l'indice dollar. Je n'ai pas oublié la demande d'un participant qui voulait que je regarde l'AUD CAD. On va le faire à la fin de cette vidéo. Mais on commence par le dollar. Donc vous voyez cette bougie haussière hier qui n'est pas suivie ce matin par le marché plutôt. Un marché plutôt en attente. Qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation? Certainement maintenant les chiffres de l'emploi, bien sûr, qui seront publiés demain et qui vont donner lieu à des spéculations sur le rythme de hausse des taux. Pourquoi le dollar a baissé? C'est parce que c'est suite aux commentaires d'un membre de la Fed qui avait dit qu'on pourrait avoir une pause sur la hausse des taux d'intérêt au troisième trimestre. Et donc, on a cette baisse du billet vert. Simplement, hier, les chiffres étant forts, ça élimine, ou en tout cas, ça éloigne les perspectives d'une récession. Et donc, les opérateurs recommencent à mettre en doute, mettent en doute une pause des taux au troisième trimestre, comme ça aurait pu, ça pourrait être le cas. Donc il y a beaucoup de doutes sur le rythme des hausses des taux aux États-Unis. On verra ce qu'il en est et donc bien sûr le chiffre sur l'emploi demain va donner de nouvelles indications aux traders, aux opérateurs, aux investisseurs. Voilà. Donc en attendant, est-ce que cette baisse du dollar est terminée? C'est un peu trop tôt pour le dire parce que vous voyez cette bougie qui repasse au-dessus des moyennes mobiles de court terme, mais ces moyennes mobiles de court terme sont complètement plates et on a pour l'instant une séance qui est plutôt à la baisse sur le dollar. Donc il faudra certainement dépasser le point haut d'hier pour anticiper un rebond un peu plus conséquent. Ce qui nous donne sur l'euro-dollar, c'est assez intéressant parce que l'euro-dollar, il est vraiment coincé entre sa droite de polarité qu'on a un petit peu attaquée hier, mais qu'on n'a pas franchi véritablement. En tout cas, on n'a pas clôturé en dessous sur 1,0640. Et elle a disparu, mais il y a, si j'arrive à la dessiner, je ne sais pas pourquoi elle a sauté, mais il y a une oblique baissière. Voilà. Non, décidément, c'est. J'ai un petit problème avec ma souris. Ah bon, en tout cas, si je n'y arrive pas, voilà. Tac, tac, tac. C'est les joies du direct. Voilà. Voilà. Cette oblique baissière qui relie les points hauts, les derniers sommets, donc 1, 2, 3, c'est une oblique tout à fait valable techniquement et donc qui empêche pour l'instant le rebond du dollar de poursuivre. Donc tant qu'on est entre cette oblique baissière et cette droite de support, eh ben, on est dans une zone complètement neutre et il va falloir attendre qu'on sorte de l'une ou de l'autre de la résistance ou du support. On va aller voir les pauses qu'on avait entamées sur notamment l'AUD yen.
Alors la UDIN, ça se poursuit. Il n'y a pas lieu de changer. Les moyennes mobiles s'orientent à la hausse. Le stop loss était ici, sous 89,60. Sous 89,66 exactement. On peut peut-être le remonter un petit peu, notamment derrière l'avant-dernière bougie. Voilà. Donc sous 91,58. L'objectif reste. Alors le premier objectif fixé, on y est quasiment, puisque c'est 83,80 et on est à 93,40, 93,80. Donc on est quasiment. Je vous rappelle donc que l'objectif suivant est sur les plus hauts du avril sur 95,50. Donc on reste toujours avec cette position. Sur l'euro-yen, aussi position haussière, ben, on a le même schéma. Donc l'objectif est à 140. On ne bouge pas. Sur le dollar-yen, là aussi position haussière. On a une petite baisse aujourd'hui, mais qui ne remet pas en cause ce mouvement. Donc, on garde les trois positions. On n'a pas d'indication des prix que les tendances vont être renversées. Et donc, on n'a pas lieu de bouger. On va aller voir l'euro franc suisse, parce que ce matin, il y avait les chiffres de l'inflation en Suisse et ils sont sortis plus forts qu'attendu, ce qui a provoqué une hausse du franc suisse sur la nouvelle et qui s'est vite asséché, puisque vous voyez maintenant cette bougie du jour qui attaquait l'oblique haussière, on l'a même franchi, mais on n'a pas réussi à dépasser, à casser le retracement Fibonacci de 38,2. Donc, bougie maintenant qui se transforme en marteau et donc qui réintègre cette zone de neutralité. Sur le dollar suisse, on a une situation qui est légèrement quand même différente parce que le franc suisse est plus fort aujourd'hui contre dollar que contre euro. Donc on a une situation maintenant qui est là aussi neutre, avec un biais baissier. Je vous avais parlé d'un éventuel retournement ici qui devait être confirmé par le dépassement de la bougie d'hier, ou en tout cas de le dépassement des moyennes mobiles à court terme. Vous voyez qu'elles ont joué leur rôle de résistance, ces moyennes mobiles. Et donc, tant qu'on est entre ce retracement Fibonacci de 61,8 et les moyennes mobiles ici, on reste complètement neutre. Donc, le chiffre de l'inflation, même s'il a provoqué une hausse du franc suisse, ça a été de très courte durée ce matin. Le dollar, yen, on a vu. On va aller faire un petit tour sur le câble parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas regardé avec vous. En tout cas, on a eu une séquence très baissière hier. On rebondit aujourd'hui, mais tant qu'on est sous 1,2638, il est difficile d'envisager une position à la hausse. Il faudrait qu'on dépasse, qu'on clôture au-dessus de 1,2638 pour vraiment jouer un rebond conséquent du câble. Pour l'instant, il reste bien fragile. En tout cas, c'est mon avis. L'AUD/USD, le rebond est toujours valable. L'objectif, c'est la moyenne mobile ici à 200 périodes. Donc, hier, on a un petit peu stoppé, mais on a l'air de repartir à la hausse aujourd'hui. Sur le kiwi, il est là. On a là aussi un rebond en cours. La résistance est ici sur 0,6570. Donc c'est cette résistance qu'il faudra dépasser maintenant pour vraiment envisager un rebond conséquent sur le kiwi. Pour l'instant, on n'est que comme sur l'oscille, sur un rebond de contre-tendance. On va parler donc maintenant du CAD. Alors d'abord contre dollar. Donc le CAD, il est soutenu par la hausse des cours du pétrole qui s'est un petit peu refroidi quand même hier. Mais hier, il y avait aussi la réunion de la Banque centrale sur
sur les taux au Canada, qui a fait exactement ce que les investisseurs anticipaient. Donc ça n'a pas énormément fait bouger les choses, mais toujours, ce qui ne change pas, c'est que le dollar canadien est toujours lié au pétrole. Donc, on a une hausse du dollar canadien, une baisse du dollar contre du loonie. On est revenu sur la moyenne mobile à 200 périodes, comme vous pouvez le voir. On l'a enfoncé, on l'a cassé avant-hier, on le réintègre, mais on a une mèche haute aujourd'hui sur le loonie. Donc, la tendance ici baissière de court terme, elle est toujours valable. Voilà. On a toujours un biais baissier quand même à court terme sur le loonie et on pourrait revenir sur un 24,50. Alors, je n'engage pas de position là-dessus parce que c'est mon stop loss qui me pose un petit peu problème et donc mon risk management qui n'est pas très bon, qui ne serait pas très bon. Alors, il y a de la place parce qu'en 24,50, il y a quand même 200 pips de potentiel. Mais le stop loss, on le met où? On pourrait le mettre sous cet ancien support qui deviendrait résistance selon un principe de polarité, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Enfin, techniquement, il faudrait le mettre ici. Voilà, mais c'est beaucoup trop loin. Votre risk-reward ne serait pas bon. Donc, ou alors, l'autre solution, c'est de le mettre très proche, c'est-à-dire au-dessus de ces deux mèches hautes. Bon, c'est à vous de voir, mais ce n'est pas sûr que ce niveau de résistance, donc sur 1,2685, soit une résistance très forte. Voilà, donc baissier, mais le problème, c'est rentrer en position. Donc, soit si vous voulez prendre très peu de risques, vous le mettez au-dessus de 1,2685, mais vous risquez quand même d'être touché. Soit vous le mettez beaucoup plus haut, mais dans ce cas-là, vous avez un risk reward qui n'est pas bon du tout. Et donc, on va, pour répondre, regarder à la demande de Vincent, je crois. On va regarder l'AUD contre dollar canadien. L'AUD contre dollar canadien qui. Alors, il y a un très très fort support à 0,89. Je ne vous l'ai pas mis en hebdomadaire, mais c'est un support hebdomadaire qui est vraiment majeur. On est plutôt, vous voyez, ces vagues qui ondulent en fait, on est plutôt sur une tendance neutre à moyen terme, je dirais, mais on a une pression baissière sur le court terme. Donc, on a eu ce test de support majeur, ce rebond. Tant qu'on est sous 0,9130, j'aurai un biais plutôt baissier sur l'AUD CAD, mais plutôt neutre sur du moyen terme. Si on repasse au-dessus de 0,9130, il y a encore comme obstacle la moyenne mobile à 200 périodes ici qui pourrait faire obstacle. En tout cas, le niveau suivant, ça serait 92, 0,9260. Voilà. Donc, baissier sous 0,9130, pardon, baissier sous 0,9130, au-dessus de 0,9130, la moyenne mobile à 200 périodes est 0,9250. Mais franchement, je suis donc baissier à court terme, mais pas avec une grande conviction. En fait, je suis plutôt sur une zone de neutralité, vu qu'à moyen terme, il n'y a pas une grande tendance qui se dessine sur l'AUD CAD pour le moment. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc pour résumer, on garde les trois positions AUD yen, euro yen, dollar yen. On reste dans l'expectative concernant les paires contre dollars avec les chiffres de l'emploi demain. Je doute. Il y a des petits chiffres cet après-midi quand même, et notamment deux membres de la Fed qui m'ont parlé, mais je doute quand même qu'on ait un gros mouvement sur le dollar d'ici les chiffres de demain. Voilà. Autre chose, ce soir, pour ceux que ça intéresse, je vais faire une analyse sur les indices à chez IG.
pour webinaire IG, donc à 18h30. Donc vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Voilà, je vous souhaite un très bel après-midi, de très bons trades, et je vous dis à demain. Ciao, ciao.